cassons-nous de là et allons parler à Jack. Ah oui, il faut aussi faire ça. Alors, j'ai pas fait les collectes. Oh là 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 là, on va faire les collectes. Tiens, je te parle. Ouais, j'apprends, ouais. Je peux te parler, s'il te plaît? Non, je peux plus. C'est merde. Voilà, j'ai fait les collectes. Je suis content. Voilà, c'est par là. Alors, évidemment, ça va causer en disant « Oui, tu peux collecter les trucs, c'est génial, c'est ouf gueudin. » Voilà. Donc, pas longtemps, je vais perdre mon speeder. Et Taran, ainsi que sa chaudasse valgique, vont nous rejoindre. Bienvenue, Jedi. Je suis Alan Organa, chef du corps diplomatique de la maison Organa. Salut, Alan. Ici mon frère Lou, plus jeune et plus séduisant que moi. Voyons, Alan. Salut, Lou. Cesse de te rabaisser. Ton âge te confère plus de prestance. Si mon âge n'arrondissait pas tant mon tour de taille, je t'aurais volontiers cru. C'est censé être une blague. En quoi puis-je vous aider? Je veux un padawan. Envoyez des maîtres Sidon Nigaren à conclure le processus de paix. Ah oui, c'est ça. Oh oui, maître Sidonie, une femme remarquable. On vient à peine de se parler. Elle cool. Est au sommet pour la paix. Un sommet pour la paix sur Alderaan. Incroyable. Je vais l'appeler. Incroyable. Le lieu du sommet est tenu secret. Je suis sûr que votre aide sera la bienvenue. Génial. Alan Organa, je suis navré, mais je suis très occupé. Le sommet va bientôt commencer. Je suis là pour vous aider. Le conseil Jedi m'envoie vous assister pour le processus de paix. Tu es le padawan de maître Yuan, n'est-ce pas? Non. Je suis ravi que le conseil t'ait envoyé m'aider, mais la situation est bien trop délicate à gérer pour un padawan. Ah, fais chier. Je suis pas un padawan. La situation est bien trop compliquée pour une seule personne. Seuls les représentants officiels des maisons peuvent assister au sommet. Que penseraient les autres maisons si un autre Jedi de la maison Organa venait? Et je n'ai pas le temps d'en débattre, de dire ce que c'est. Maître Sidonie. Oh, tu fais chier. Je suis désolé, Jedi. Ça ne lui ressemble pas. Il faut que je la voie. Est-ce qu'il y a un autre moyen d'assister au sommet? Oui. Bah oui. Mais Maître Sidonie a dit que seuls les représentants pouvaient y aller. Malheureusement, le représentant d'Organa est déjà sur place. Al, la maison Terral, tu sais, celle avec la fille splendide. Et si notre ami Jedi la représentait? Oh, la fille. Mon frère est un génie. La maison Terral recherche désespérément quelqu'un pour la représenter. Mais ah bah voilà. L'opérateur Hugo lui a ôté tout espoir. Si vous les aidez à se défendre contre leurs ennemis et à retrouver leur gloire passée, je suis sûr... Je m'enjaille avec la musique. La musique, elle est dans la peau. Vous voyez, c'est une musique qui donne envie de swinguer, de danser. Je suis sûr que oui. Leur situation est critique. Vous trouverez le seigneur Terral dans le dernier bastion de sa maison. Une enclave à proximité des terres des Ulgo et des Nikilik. Je l'informerai de votre visite. Et prenez garde aux Kilik. Ces hommes insectes sont imprévisibles. Aux Kilik. J'ai un milliard de blagues à faire avec ça, mais j'ai vraiment pas envie. Bon allez, viens Taran, amène-toi avec la chaudasse magique, on y va. Et il y a un truc à faire là-bas. Il y a un truc de ouf à faire par là. Mais je pense que on va plutôt... je pense que c'est ça ma vie en fait. Non, pas du tout. Faut aller par là. Bon, il y a un truc à faire par là, hein, visiblement. Mais non. Mais si, c'est carrément par là, mais... Mais... Attendez, c'est quoi? C'est quoi ça? L'enclave de la maison Terral, et ça c'est quoi? Bon, on s'en fout alors. Allons à l'enclave de la maison Terral. Mais pourquoi... pourquoi on me fait chier comme ça en fait? Et ça c'est un mur. Attendez, swag. Mode swag. Mode swag activé. Poussez-vous! À mon avis, ça va être par là. Non, pas du tout. Non, ben non. On s'est trompé. Viens, on se casse. On s'est trompé. Et nous sommes fourvoyés. C'est joli, ça. Je me suis fourvoyé.
Mais j'ai un message. J'ai un message et je l'ai pas vu. Go to the message. Ils ont mis deux boîtes à lettres, comme ça au moins on les perd pas. Oh mais je récupère ça. Je sais pas ce que c'est, mais je le récupère. Et je vais tout de suite déployer cet objet. J'ai récupéré quoi? Ah oui, mon vaisseau. I want to improve my airship. Chier complètement. J'ai carrément chié ça. Voilà, c'est bon. Ça? Oh oui! C'est un objet de niveau 38 dont on se fout royalement. Tiens, je te donne ça. T'es content, hein? Très bonne idée. Je savais que ça te ferait plaisir. Bon, maintenant, passons aux choses sérieuses. 38. 38. 40, mais mon cul, voilà, 40. 40. 58. Ah non, non, oh. Arnaque. 38. Bon, on s'en fout. Hein. Bon, ok. Allons-y. Nous avons récupéré moult objets. Allons-y. Alors, il faut qu'on regarde. Il faut qu'on aille. Il faut qu'on trouve un moyen de contourner, évidemment, ce palais maudit. Je vais bientôt passer niveau 38. Niveau 37, là. Et je vais bientôt être niveau 38. Il faut qu'on trouve un moyen de passer ce maudit palais. Parce que c'est de l'autre côté en fait. Alors, voyons si on peut contourner ce palais. En fast travel. Non, bah, il n'y a pas moyen. En fast travel, il n'y a carrément pas moyen. Bon, bah, allons-y. Peut-être qu'on peut appeler les taxis. Où sont les taxis? Where is the taxi? Sometimes I'm speak English, but I'm not very quick on English, so it's not pretty useful. Où sont les taxis? Bon, ça c'était la bande à la con là, mais les taxis. Allons par là. Je suis sûr que les taxis sont par là. De l'autre côté de cette colline. Non. Pas du tout. J'ai mal à la tête. J'ai terriblement mal à la tête. C'est horrible. Ce mal de crâne qui m'envahit. Vous savez, vous avez mal derrière les yeux, en fait. Tellement... c'est à cause des écrans. Hein, si tu veux. Voilà. Pas besoin d'aller consulter un médecin, je sais ce que j'ai, je regarde beaucoup trop les écrans. Un bon développeur développe ce type de mots. Il a mal aux écrans. C'est là les taxis. Non, pas du tout. Chier. Mais les taxis, c'est où? I want the taxi. Ça a l'air d'être par là. C'est par là, les taxis. Go, taxi. Attendez, je vais aller par là, histoire de découvrir un petit peu. Voilà, alors pendant ce temps, on va ambiancer, évidemment, le live. Parce qu'il va rien se passer pendant 2 minutes et demie. Bien évidemment. On fera du Dota, peut-être, un jour. On refera du Dota 2, peut-être, un jour. Et compter le nombre de morts. Voire même se mettre un petit W-split. Pour voir combien de temps je reste vraiment en vie. C'est important. Les gens veulent savoir combien de temps je reste en vie. Moi, je crois que quand j'avais regardé j'avais revu le live, mon record de survie, ça a été 45 secondes, je crois. Même des moments où je pop, je me téléporte et trois coups de paix, hop, ça y est, on n'en parle plus, c'est bon, il est décédé. Ah,
On s'approche. On y est. Ça y est. Et on n'est même pas encore arrivé là où on voulait aller. Mais quand même, commence à y avoir de l'idée. Il y a une quête à faire apparemment par là. On s'éloigne de notre objectif. Alors je rappelle, ah oui, parce que vous ne pouvez pas le voir en fait, il est masqué par l'overlay. Écoutez, sous ces contrôles I, où je vais maintenant. C'est la cachette de la renommée. Bah, écoutez, au niveau, attendez, préférences, éditer l'interface. Regardez, je vais placer ça ici. Voilà, comme ça vous le verrez. Sauvegarde. Voilà. Voilà. Donc je le place ici, comme ça on le voit. Vous voyez, donc là on s'éloigne. Très clairement, je ne sais pas où je vais, mais je m'éloigne fortement. J'ai choisi la bonne destination, visiblement. C'était en plus, c'est des moments live qui vraiment ne se passe rien. Vivement vendredi. Vendredi, il y aura de l'action. Vendredi, ce sera les zones litigieuses. Il y aura évidemment de l'action. Quand il y a le Chevalier Jedi, il y a de l'action. Quand il y a la Schtroumpfette, c'est des lives où on va se faire chier. Et en plus, la musique n'aide pas, évidemment. Elle n'ambiance pas, cette musique. J'ai presque envie de mettre... Regardez. Là, d'un coup, on met de l'ambiance. Là, on apprécie ces moments. D'un coup, on a envie. C'est beau. On va où, là ? Est-ce que j'ai choisi d'aller ? On va expliquer ça. Je vais carrément aller au bout de la Terre, mais c'est impossible. Et pendant ce temps, je découvrais de nouvelles zones. Et ça, c'est Daryl. Apparemment, faut aller par là. Il y a un truc à faire. Ah bah voilà, oui. Nous avons découvert une nouvelle zone. J'espère que vous êtes contents. Eh bien, nous allons retourner sur l'aire des taxis. Et aller par là. Et là, on y va à deux de chaque fois. Quoi. Déconnez pas. Là, on y va à deux de je sais pas quoi. Et il y a toujours pas... On pourrait y aller à pied, mais honnêtement, on va vraiment se faire yèche. Enfin, faire tout ça à pied, je le vois très mal. Je préfère réserver les combats pour l'intensité du scénario. Pour faire les petits donjons. Les grottes. Et compagnie. Pas pour ça. Honnêtement. Ça fait très Avatar de James Cameron, ce petit moment. Ado de je sais pas quoi. Tenez, on va faire un petit mouvement de caméra. Voilà, ça c'est au cas où vous avez envie de faire un clip. Vous voyez, je vous fais des petits mouvements de caméra tout beau. En plan à mytho, comme ça. En plan vu du dessous. Comme ça. Vous voyez, ça c'est bien. Et la musique. La musique qui nous donnait une furieuse envie de danser, de swinguer. On y est donc. Mais qu'est-ce que quoi ? Ces conneries. Et où tu vas, toi? Non, mais on y était. Où tu vas? Je le crois pas. Mais où va-t-il?
Ah, il se dirige vers notre point, évidemment, notre point de rendez-vous. Rendez-vous point, regardez, on est là. Ça, c'est nous. Ça, c'est le point de ralliement. C'est là où est-ce qu'on va. C'est des liaisons dangereuses. Hein. Il faut y aller, évidemment. On y est presque. On n'y est pas. On arrive bientôt. Oh, c'est tellement beau. J'en ferai des milliards de clips de ça. Bon, on arrive maintenant. Voilà, c'est bon, on y est. On est arrivé. Wouhou! Je peux parler à toi? Écrit quoi? Mission quoi? Écrit histoire Alderande, on s'en fout. Non, je vais pas te parler. Toi, je t'aime pas. Allons-y. Et peut-être qu'entre temps, il y aura du combat. Et ça, c'est ce qu'on veut. C'est ce que les gens veulent en fait. Ils veulent ce fight, ils veulent du combat, ils veulent de l'action. Et là, qu'est-ce qu'on vous propose? On vous propose des plans magnifiques. De. Bon, c'est pathétique, hein. Je vous le dis clairement. C'est vraiment l'un des ennemis les plus pathétiques que j'ai jamais rencontré. Tiens, prends ça, prends du caillou, tiens. Voilà. J'espérais quand même quelque chose de mieux. Regardez, on va se mettre. Voilà, on va récupérer évidemment le loot. Que nous allons pouvoir revendre moult crédits. J'allais dire moult euros, mais non, ce ne sont pas des euros, ce sont des crédits. Des credits. On y est presque. Regardez, on y est. Regardez, ça y est, on y est presque. Un petit fight avec encore un de ces monstres à la con là. Je sais pas ce que c'est. Je le reverrai dans le replay. C'est pas grave. Paf. Boum. C'est bon. Oui. Oui, j'aime bien. Allez, tiens. Ah bah voilà. On se chie en fait. Tiens, prends des coups. Oh oui. Alors, la musique n'aide pas évidemment. La musique ne participe pas à cette ambiance d'enjaillement total, de combat. Je sais pas ce que c'est. Je vais relancer un caillou. Je vais lancer des petits cailloux aussi. Voilà. Ah, cette musique qui nous enjaille. On a envie hein, de réécouter évidemment Alexander Zelanov, pardon. On a envie de réécouter Anne Kachiro. Mais bon, on le fera pas. Ah, c'est eux les Kilis, les Kilikix. Pan, mange. Tiens, mange des cailloux. Bim. Voilà, aspas puissant. Tiens, mange du sabre. Bim. Tiens, mange des cailloux, toi. Tais-toi et va demander à ta chaudasse magique, évidemment. Non, 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 bougez pas, bougez pas, bougez pas. Vous avez mal, hein? Souffrez! Non, vous avez rien, en fait. C'est quoi, ça? C'est un observateur? Putain, mais c'est un observateur avec 10 milliards de points de vie. Tiens, mangez cailloux. Voilà, 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 voilà. Ah, on entend les gémissements en arrière-plan. C'est ça qui est barre. On veut les entendre gémir. On a un petit peu le Jedi qui veut faire du mal aux gens. Bon, je vais frôler cette paroi à la con. Il y aura, j'imagine, une sortie. Go! Attendez, je vais vous faire du mal. Paf! Tiens! Attends, je récupère le loot. Important, le loot. Non? Bah, il l'a tué, alors c'est bon. Toi, maintenant. Tiens, mange un caillou! Caillou! Bah, c'est tout. Ces bandes sont vraiment pathétiques, ceux-là.
Bon, allez hop. Nous allons continuer de frôler évidemment cette paroi. Et je suis certain qu'à un moment bien précis, nous arriverons à entrer dans cette forteresse maudite. Maudite forteresse. Tiens! J'espère que t'as mal. Parce que moi, j'ai. Ça me fait mal au cœur. Allez, tiens! Boum! Ah, on y arrive presque. On y est presque. Non, on y est pas. Et c'est quoi ça, en fait? C'est une larve. Parce que ce sont des putains d'insectes. Tu parles d'un extraterrestre, c'est un insecte, ça. C'est là où on se sent un peu déçu par le jeu. C'est le choix des races aliens, en fait. Parce qu'à part les races, on va dire, vanilla du lore de Star Wars, hein, qu'on voit apparaître dans les films, quand il s'agit, en fait, ensuite de créer des races aliens à combattre, on arrive vite sur les insectes. Voilà. Bah oui, mais toi t'es mon ami, toi t'es mon pote. Je vais pas buter un pote. Pourtant, Dieu sait que j'en aurais envie, mais je vais pas le faire. J'ai encore besoin de toi. Allez, hop! 2, 3, 4. Et là, regardez. Bim! Elle a souffert. Il a évidemment souffert du cul. Et j'ai dépassé mon objectif. Ça, c'est down. Allez. Je vais récupérer le loot. Voilà. Et donc là, on va rentrer dans la forteresse. Je ne sais plus comment il s'appelle. Les Thals. Les Thérals. C'est-à-dire, les Thals, ça aurait été un immense hommage à Doctor Who. C'est les Thérals. Vous voulez que je débarrasse de lui, là? Tenez. Tiens, prends des cailloux. Je sais pas du tout, hein. Je suis arrivé comme ça dans la zone. J'ai vu un type au pif, j'ai décidé de le buter. C'est un grand moment, évidemment. C'est un kill fournisseur. Tiens. Contrôlé par les Hugo. Allez. On n'hésite pas, évidemment. Des cailloux. Des trucs là, voilà, des cailloux. Ah, faut vraiment que je me crée un raccourci pour les trucs de follow et compagnie. Je sais plus, en fait. Je crois d'ailleurs que les follow, ils ont disparu. Ils bouclent plus, mes follow. Attendez, j'ai testé. Petit moment d'awkwardness. Non, ça, on s'en fout. Ouais, bon, on s'en fout. Donc, moment d'awkwardness, c'était vite passé. Allons parler à cet individu patenté. Parlons à cet individu. Où es-tu? Tu es là. Captain Teres. Je suis d'accord avec toi. Si j'ai pas compris, mais je suis quand même d'accord. Ravi de rendre service. Ah. Oompa Loompa. Oompa Loompa. Je les protégerai. Ah, ça, je le comprends. Kavadumpa Stumpa. Allez, c'est parti. Il faut quoi? Faut faire quoi? Faut aller où? Faut. C'est de la merde. J'ai plus de place. Bon, écoutez, je vous propose de me débarrasser d'un petit peu de trucs. Ça, par exemple, ça, je vais m'en débarrasser. Bon, tu permets que je fasse un petit peu mon inventaire, là, parce que, bon, t'es gentil, hein, mais voilà. Voilà. Moi, je vais récupérer, évidemment, le loot.
Ça, c'est le truc le plus important. C'est ce qu'il fallait faire en priorité. Maintenant, je peux y aller. Maintenant, je vais vous battre. Voilà, c'était d'abord l'inventaire, ensuite le combat. Gérer vos priorités, c'est important. Et le loot. On n'oublie pas le loot. Histoire de foutre en l'air notre inventaire dès le début. Ben voilà. C'est bon, on vous a vidé la map. Ah ben non. Attendez. Paf! Comme il en a eu de partout. Paf! Ouais, regardez, il est mort. Il va mûrir. Voilà, il a pris un caillou et... C'est tout? Non, c'est pas tout? Pas fini? Tiens, il y en a encore. Mais il y en arrive de combien? Et ce qui est bien, c'est que en fait, il vous oublie de temps en temps. T'as mal, hein. Tu souffres. Il n'y a pas de point faible, Jackie. Faut... Tu les prends, tu les butes. Et tu passes à autre chose. J'ai évidemment upgradé mon sabre. Donc je serai un peu moins pathétique au combat, contrairement à la dernière fois. C'est un lieutenant Hugo. Un attaquant Hugo, pardon. Voilà. Bon, franchement, t'aurais pu faire ça tout seul, hein. Tu t'es vraiment pas fait yesh, hein. Applaudissements, évidemment. Bon. On y va? On va où? Ah, ça veut dire que maintenant on peut parler au grand chef, c'est ça? Allons parler au grand chef. Allons-y. Le grand chef, il est là, au milieu. Vous êtes le seigneur Terral? Je suis venu vous proposer de vous représenter au sommet pour la paix. Jedi? Oui, Organa m'a prévenu de votre visite, mais disons que c'est... Ah bon. Nos représentants doivent être approuvés à l'unanimité par la maison. À l'unanimité. C'est un Jedi avant d'être une étrangère. Vous devriez être reconnaissant qu'elle daigne vous aider. Oui, bien sûr. Qui parle en faisant des mouvements c'est un Jedi avant d'être une étrangère. S'il te plaît, quoi. Un peu de crédibilité, ça ne paye pas. Oh là là. En tant que Jedi, c'est un privilège de servir la maison Terral du mieux possible. Vraiment? Eh bien, d'accord. J'ai moi-même failli perdre espoir quand notre premier représentant a été tué et que les Ulgos nous ont repoussés dans ce trou. Exposez-lui notre plan, père. Très bien. La situation actuelle de la maison Terral est critique. Notre ennemi, la maison Ulgo, cherche à nous détruire. Son Ulgo est à nos portes. La maison Terral a besoin d'un Ulgo délire pour survivre. Nous avons besoin de la maison Organa. Vous pouvez remettre de la musique qui... Organa a beaucoup... On l'espérait. Nous avons proposé une alliance de mariage à la maison Organa. Ma fille Fasha épouserait Lou Organa. Mais la maison Terral est faible. Et certains au sein de la maison Organa craignent... T'as un strabisme, Jacqueline. Nous devons leur prouver que la maison Terral... Comment elle s'appelle? ...se défendre contre ses ennemis. Il nous faut un plan. Dites-moi quelles sont vos ressources. Que nous n'ayons que vous, Jedi. C'est pas si mal. Les Ulgos sont à nos portes. Ils menacent de nous chasser de notre dernier bastion. Mais leur commandant, Astarvox, est un mercenaire pour qui la notion de loyauté est floue. Si on réussit à l'atteindre, à le convaincre, on pourrait lever le siège. J'ai un milliard de blagues avec lever le siège, mais on va pas les faire, c'est chiant. Ce serait vraiment trop chiant. Stay. Allons-y! Alors, il faut qu'on aille fighter un mercenaire ou quelque chose comme ça, d'après ce que j'ai compris. Vous allez me dire, j'ai rien pité, mais je pense que c'est ça. On doit vaincre un mercenaire pouf gueudin. Go map! La map dit d'aller par là. Ouais. Bon, j'arrive pas à lire, mais apparemment... apparemment, c'est ça. Est-ce qu'on peut trouver un fast travel dans le coin?
I want a fast travel. Ah, il y en a un là. À l'entrée là. Allez, hop. Je l'avais pas vu. Bah voilà. Nous avons un fast travel. Et maintenant, faut qu'on contourne cette merde. En swag. Faut qu'on contourne ces saloperies. Parce que je... Ah oui, c'est parce que j'étais niveau 38. Ah là là. Faut qu'on contourne ces saloperies. Bon, alors. D'accord. Un peu de combat ne nous fera pas de mal, parce qu'après tout, voilà. Après tout. Ah, tais-toi. Oui, bouge plus. Je vais locker la barre pour être sûr que ça. C'est tout. Et ça a rien fait. Mon Dieu, mais allez mourir. Voilà. Et toi? Moi je sais. Voilà. Voilà. Ce fut un combat des plus intéressants, des plus palpitants, j'ai envie de vous dire. Allez hop. Fight! Go in swag! Ah, évidemment. Les balades en swag. Ah, bah, c'est par là. Voilà. C'était pas très compliqué. Hein. Ouais, c'était juste là. Bon, ce fut un combat en mode swag, mais pas. À qui dois-je parler? Je dois te parler à toi. Parlons, vous et moi. Non? Je dois te parler à toi. Je dois te parler à toi. Bah, je comprends pas alors. Peut-être la tante d'à côté. Il faut que je te parle. Je représente la maison Terral. Et je vous demande de lever le siège et de vous rallier à eux. Alors ça, c'est une surprise. Les Jedi ont décidé de se mêler de la politique d'Alderaan. Levez le siège. Il faut que j'aille pisser. Vous aventurez dans une pièce remplie de soldats d'élite. Il fallait que je la fasse. Putain. Voilà, c'est fait. Un Jedi est digne de confiance, tout comme l'est la maison Terral. N'en doute pas, c'est pas le problème. La vraie valeur se prouve sur le champ de bataille, la guerre, les effusions de sang. Voilà ce qui forge la grandeur. Je négocie que d'égal à égal. Moi, je négocie avec un. Avec en des. Plus, nous avons besoin d'exercice. T'as littéralement un casque de moto. Non. Vous avez intérêt à tenir votre promesse. Excellent. J'ai jamais eu le plaisir de voir un Jedi en action. Lâchez les chiens! Tenez, on va recommencer. Voilà, c'était bien, hein? Bon, bah, c'est tout. T'en as d'autres? Non, parce que sinon. Qu'est-ce que vous en dites, les gars? C'était trop facile, pas vrai? Ouais. On veut un vrai défi. Facile? Quel culot. Vous essayez de nous tuer. Ouais, c'est l'idée. Bravo. Mais la force est avec moi, alors on s'en fout. Reposer sur la force. Ça, j'en doute pas. Il désapprouve. Vous n'attendez pas moins d'un Jedi. Ces chiens étaient trop vieux, pas vrai, les gars? Ah bah voilà. Faire mieux que de battre des corneaux tout rabougris. Non, il vous faut un vrai défi. Idée, les gars? Droïde! Va pour les droïdes, alors. Les meilleurs de la maison. Tu es beaucoup trop excité, à mon goût. Beaucoup trop. Si c'est ainsi que je gagnerai votre respect, alors j'accepte. Droïde, activez vos protocoles d'attaque. Cible, Jedi. Ils sont où les droïdes? Ils sont là? Allez.
Bon, et là c'est quoi ton excuse? Tu nous dis? Ouais, les droïdes étaient vieux. Ah, mon cul, ouais. Tu fais chier maintenant. Vous avez battu cet état de ferraille. Mais est-ce que vous serez de taille face aux meilleurs soldats de la maison Hulgo, aussi rapide qu'efficace? Vas-y. Espèce de fripouille. Vous nous avez dupés par deux fois. Sur mon honneur, c'est la dernière fois. Jamais 203. Battez mes champions et on discutera. Bon bah... Vas-y. Je suis encore pleine de ressources. Les gars, vous avez entendu? Elle cherche la bagarre. Mettez-lui une bonne raclée. Ok. Alors, ils sont où? Ah, ils sont là. Ouais. Il suffit de lui mettre des coups de sabre, ça, hop. Tiens, je t'envoie des trucs. Je te fais un petit écrasement mental. Voilà. Et voilà. Hein? C'est tout? Y'en a un autre? Là? Mange un caillou! Mange des cailloux par million, par milliard! Je vais te confuser! Tiens! Ah d'accord. Déconfuse! Voilà. Bon, c'est quoi ton excuse maintenant? Mon inventaire est plein. Mon inventaire est plein. J'ai tué. Ça, je vais le virer. Ça, je le virerai. Bon, maintenant, il n'est pas plein, mon inventaire. Il est plus plein. Les liaisons dangereuses, tout ça. Qu'est-ce que c'est, en fait? C'est un caillou! Ça pour rien! Je déteste. Voilà. Un caillou. Bon, allons parler à Arthur Astar. Astarbox. Très impressionnant, Jedi. Je pensais pas que la maison Feral avait les moyens de t'offrir une alliée aussi puissante. Sans rancune, vous saviez le nombre d'imbéciles qui essaient de m'acheter. Bah, déjà. La maison Feral veut s'assurer votre loyauté et exige le retrait de votre armée. Ça a le mérite d'être clair. Dites à la maison Feral que j'accepte. C'était sympa de travailler pour la maison Hulgo, mais il n'y a aucune gloire à appartenir à l'armée la plus puissante de la planète. Je vais immédiatement rappeler mes troupes et m'entretenir avec le seigneur Terral. Je connais le chemin. Merci. Bon, on va où? Bon, bah voilà, c'est bon. On se casse. Ah oui, il faut holo. D'accord. On va holo. Ok. De vous avoir. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que tout le monde sait que vous avez fait forte impression sur Astarbox et que le siège de Morgana ont accepté la proposition d'alliance. Ouais. La mauvaise, c'est que Luke Organa s'est fait kidnapper. Et merde. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce con encore? Alors il faut le ramener. Exactement. Pourquoi il désapprouve? C'est chez lui. À la maison Rist, alliée aux Hulgo. Les assassins les plus redoutables d'Alderaan. Une alliance entre Terral et Organa serait un désastre pour les Hulgo. Ils ont dû ordonner aux Rist de kidnapper Lou Organa pour faire échouer l'alliance. Si tu le dis. Je sauverai Lou Organa, je le promets. Soyez prudente, mais ne tardez pas. Nous devons devancer l'attaque des Organa ou tout s'effondrera. S'effondrera. Bon, tant pis. Tout va s'effondrer, tout s'effondrera. Bon. Map. D'accord. Alors. Fast travel. And go there.
N'hésitez pas à follow si le contenu vous intéresse. Ensuite, deuxième fast travel. Ah bah, c'est pas un fast travel, là c'est carrément, je vais prendre vidéo. Je vais par là, moi. Voilà. J'étais peut-être un petit peu trop impatient. Voilà. Un moment appréciable. Les gens aiment. C'est ce que les gens veulent. C'était le fast travel en mode clip show. Important moment évidemment de liesse intense. Je me fais éblouir la gueule proprement avec un projecteur mal réglé. Et ça, c'est important. C'est à mon avis, c'est par là, mais je pense que c'est pas par là qu'il faut aller. Toujours les liaisons dangereuses. Hein. Toujours. Par où il faut aller? C'est par là? C'est histoire Alderaan, on s'en fout. Donc c'était pas par là. J'avais raison. Alors, la carte nous dit que c'est... Oh putain, c'est à l'autre bout de la Terre. Mais c'est à l'autre bout de la galaxie? Pourquoi? Pourquoi le jeu fait ça? Pourquoi on vous envoie à un endroit alors qu'en réalité on s'en bat royalement les hooks? Bon, allons-y à pied alors. Le jeu a décidé. Mais je suis quand même étonné qu'il n'y ait pas un fast... Enfin, dire qu'il y ait plus combat. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Par où je suis parti? Allô? Je me suis trompé de côté. Merde. Allons-y en mode... voilà, comme ça. Suivons ce chemin. Qui visiblement m'enjaille. Va très certainement me faire revenir à mon point de départ. Il y a un pont. Prenons un pont. Prenons le pont. Oh là, hop, bah, d'accord. Il y avait une bûche. Il y avait un tronc au milieu de ce putain de pont. Fallait que je me le prenne. Déteste. Allons-y. Vite. Vite. Lou est en danger. Lou. Y es-tu? Fallait la faire aussi. C'est important. Ça fait partie des engagements. Faire des blagues nulles. Ça fait partie de nos engagements de streamer amateur. Il faut évidemment faire des blagues pourraves avec les prénoms, avec les noms des gens, avec des expressions. C'est voilà, c'est essentiel. Mais ça a l'air... Putain, mais ma vie c'est par quoi en fait? En plus c'est pas par là, me dit le jeu. Où est-ce qu'on est? Bah si, c'est, ça a l'air de dire que c'est par là. Mais ils veulent pas que j'y aille. Ils ont décrété que non, ta gueule, pas par là. Bon bah non, pas par là alors.
Ça a l'air d'être par là. Attention. Bip. Puis par là. Alors, j'entre. Je sais pas où je vais en fait. J'ai gardé la carte en surimpression. Je sais pas où je suis censé aller. C'est par là. Faut remonter. Remonte. Ah, ça y est, je crois que je comprends. On va remonter. Et là, il va y avoir l'entrée d'une grotte. Ou d'un palace. Ou d'une mer dans ce genre-là. Et on va s'enjailler de ouf. Ça a l'air de se fight, hein. Ça a l'air de se fight. Les Ristes, oui, c'est eux. Et ça a l'air de se fight par là. Et ça, c'est bien. Il faut amputer 15. Eh bien, allons-y. 2. Attends, mange un caillou, toi. T'as pas honte? Bah, viens, prends des coups. 2. Non, mais récupère le loot. 3. Encore 12. Allons-y. Ça y est, on a atteint une nouvelle zone. Attendez. Bon, tiens, prends des coups, s'il te plaît. Casse-toi! Tiens! Aïe! T'as osé faire ça? Attendez. Non, ça fait rien. Prenez les coups! Ah, je peux pas encore. Là, je peux. Là, voilà, c'est bon. 4, 5. Plus que 10. Attendez, je vais récupérer le loot. C'est important. Le loot, ça fait partie des... Mais non. Ah si. Ah si, c'est par là. Attention. Ça se fight. Alors, à qui on dit bonjour? Bonjour à Jipon. Salut Jipon. Au plaisir, hein. Attends, on va fight des trucs. Jipon, viens avec moi. Je m'occupe de cela. Ah. Tiens. Tu me diras merci plus tard. Voilà. Bah, moi, c'est de l'autre côté que je dois aller. C'était Jipon. Peut-être nous fera-t-il un petit coucou. Sur le chat, je ne sais pas, nous verrons. Ah, ça a l'air d'être légèrement compromis, mais bon. Ah, il y en a deux qui ont pris cher quand même. La chaudasse magique, évidemment, conçue pour distraire. Pourquoi j'ai pas réparé mon matériel? Pourquoi j'ai pas profité d'être dans un campement pour réparer mon putain de matériel? Et je suis sûr que c'est ça que je fais du mal à personne. Oh là là, je me déteste. Attendez. La stratégie avant tout. T'as quand même, hein. C'est une stratégie gagnante. Tiens, prends des coups! Tiens, mange du sabre. Je suis maladique. Bon bah voilà. Attendez, j'ai récupéré ça. Oh oui. Je ne sais pas ce que j'ai récupéré. C'est une bouée de pixels. Attendez. Maintenant. Merde. Attendez.
Maintenant! Oh, encore merde! Putain, ça fait chier ça! T'as pas eu mal! Maintenant! J'ai mal au doigt, putain, j'ai mal au doigt. En fait, j'ai mal à la main qui a pas de. J'ai mal à cette main là parce que justement elle n'a pas son gant. Son gant ergonomique. J'ai regardé quoi moi? Je sais plus ce que j'ai regardé, mais c'était bien. J'ai regardé un clip, la chorégraphie de Ma Baker exécutée par des chinoises. C'est même d'ailleurs ce qui m'avait donné envie de mettre les deux danseuses en amont du stream. Même si j'ai un peu foiré mon truc. Ça ressemble plus en fait à la danseuse qui est dans Kenzo. Je sais plus son nom. Je le dirai la prochaine fois, le nom de la danseuse de Kenzo. Je crois qu'elle s'appelle Margaret ou quelque chose comme ça, mais je suis de moins en moins sûr de moi. Bon, écoutez, alors dans le doute, on va buter tout le monde. Allez, c'est bon. Ça leur a rien fait, ne me dites pas que ça leur a rien fait. Juste au moment où je dis je vais buter tout le monde et que ça va être facile, et paf! Bah non. Bah tu t'as trompé. Attendez, je vais lui faire un écrasement mental à celui-là, regarde. Écrase-toi mentalement. C'est bon? Il est fait l'écrasement? Bon ben voilà. Ouais, il va mourir prochainement. Ah, j'aurais tellement dû réparer ce sabre, je me déteste. Voilà, c'est bon. J'ai récupéré ça. C'est un grand gain d'influence sur lui. C'est merveilleux. Ouais. Merci. Je sais que tu kifferais. Je dis à ça, il va kiffer du cul. Je vais lui donner. J'ai bien fait, hein. Non plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un transformateur d'objets. Non, bah non plus. Je sais pas ce que c'est. C'est de la merde. C'est par là, me dit-on. C'est quelque part ici. C'est la prison. Ça c'est bien, mais ça dit pas. Non, mais je viens de par là. Il y a un moment dans la vie, respectez-vous, je viens de par là, moi. Allons par là. Je suis perdu. Je me suis perdu, je me suis complètement paumé. Je sais pas où on va. Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce qu'on va? Allô, bonjour. Mais ça va arriver, tiens. Paf, voilà, c'est bon. Un mort. Et voilà, deux morts. Bon bah, dans le doute, voulez-vous qu'on vous tue? Voilà, j'espère que vous avez eu mal. Il y a un moucheron devant moi. Surtout la musique qui donne une ambiance, c'est important, la musique donne de l'ambiance, mais alors, évidemment c'est pas... Où est-ce qu'on va du coup nous? Allons par là. Non, mais il n'y a rien par là. Allons par là. Et montons. Non, on peut pas monter. On se fait chier. Et c'est par où? J'ai vidé l'intégralité de votre prison à la con, il n'y a plus personne. Ah si, il y a encore des gens par là. S'il vous plaît.
On s'est perdu, c'est par où la sortie? Bravo! On l'a trouvé! On a trouvé Jackie! Alors nous allons évidemment battre de façon pathétique ce petit monstre, ce gardien de prison. Oh, toi tu vas manger. Toi tu vas manger. Toi tu vas manger du cul. Tiens. Ah, il y a une petite musique comme ça là. Ta-da, ta-da. Je vais t'écraser mentalement. Paf. Écrasement mental. Ça n'a rien fait. On m'explique ce que c'est que l'écrasement mental. C'est terrible. Paf. Allez. Mais allez. Oui. Oui. Allez. Voilà, c'est bon. Non, mais c'est bon, t'es content. Voilà. Attends, parce qu'on va... Évidemment, on va... un peu mettre à jour la garde-robe de la Schtroumpfette. Et se débarrasser des merdes. Ça, par exemple. Ça, on va s'en débarrasser aussi. Voilà, hop. Ça, on va s'en débarrasser. Ça ne sert à rien. Hop. Ça, évidemment... Oh là là, plus d'équipement. Merde. On va se débarrasser de ça. Tac. Je vais ouvrir. Jedi, quel soulagement. J'ai bien cru qu'ils allaient me tuer. C'est la maison Terral qui vous envoie, n'est-ce pas? Non. Ils nous ont proposé une alliance et j'allais justement à leur rencontre quand... Enfin, heureusement que vous êtes là. Ouais, ouais. Comment t'as fait pour te faire vous kidnapper, espèce de sac à merde? Non, je l'ignore. Deux P et je les bute et là... J'ai demandé à la maison Terral pour discuter de l'alliance par mariage. Quand ces assassins ont surgi et m'ont fait tomber de mon trentard, je me suis réveillé ici. Ils t'ont fait tomber de ton... De ton gros tas? Qui aurait intérêt à faire ça? Ils m'ont fait tomber de mon gros tas. Sans alliance, il m'est impossible d'aller au sommet. Quelqu'un n'a peut-être pas envie que j'y aille. Qui voudrait vous en empêcher? Quoique, maintenant vous le dites, quand j'ai perdu connaissance, il parlait de Maître Sidorite. Mais en quoi pourrait-elle être mêlée à tout ça? C'est forcément un coup monté. Je pense que Maître Sidonie est souffrant. Moi, je crois pas. Je pense pas que les girafes existent. C'est un coup monté. J'ai mal à la tête depuis ma chute. Moi aussi, j'ai mal au crâne, mais c'est pas la chute. Je ne partirai pas tant que je n'en aurai pas le cœur net. Mes ravisseurs se rendaient dans l'autre pièce pour contacter leur employeur. Je suis sûr qu'on mettra ça dans le best-of. Cette blague à la con. Il faut qu'on sache qui ils appelaient. Voilà, j'ai... Bon, on se casse? Apparemment, oui. Ah non, non, et non, 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 je n'accepte pas... Je n'accepte pas ça. Tiens. Bah apparemment, en fait, on continue, en fait. Oui. C'est par là. Quoi? Bah voilà, il est mort. C'était d'une facilité déconcertante. Ah ok. Mais en fait, il est d'une rare efficacité. Je pense que c'est parce que je lui ai fait plein de cadeaux. Et du coup, il est devenu efficace comme personne. Maintenant, il me kiffe. Il m'obéit au doigt et à l'œil. Attendez, je vais mettre mon petit astrodroïde, ça sert à rien et ça me fait plaisir de l'avoir. Le M4Y10. Qu'est-ce que tu fous? Ah, faut le protéger. Ah, c'est une mission d'escorte. Oh là là.
commence à bien faire. C'est pour ça qu'il attend gentiment là, juste devant. Bon, tant pis. C'est par là. Vite. Pourtant, j'étais sûr d'avoir vidé la prison et c'est quand même là. Je ferai part de ton enthousiasme à Maître Yuan. Mais je suis extrêmement occupé. Je n'ai pas le temps de décéder. Tu n'as pas le temps de décéder? Pourquoi a-t-on trouvé votre low fréquence dans l'ordinateur de la maison Rist? Parce que les Rist étaient conviés au sommet, je suppose. Je te prie de m'excuser, Jedi. J'ai du travail qui m'attend. Attendez, Maître Sidonie. Je ne comprends pas. Pourquoi a-t-on trouvé son low fréquence? On vient de poser la question, mec. C'est sûr que Maître Sidonie n'est pas elle-même. Mais c'est elle qui supervise le sommet. Elle pourrait tout gâcher. Pitié, faites-moi sortir d'ici. J'ai un mal de tête atroce. Et je ne me sens toujours pas en sécurité. Je veillerai à ce que l'alliance entre Point d'aspirine. Et Terra soit conclue. Et à ce que vous alliez au sommet. Point d'Afalgan. Bon bah, on y va, on se casse. Barrons-nous de là. Il faut aller où? Donc ils disent qu'il faut sortir, évidemment. Et après, il faut prendre ça. On peut pas y aller directement en mode fast travel. Putain, je peux pas... Allez, j'ai fast travel. Hop! Quitte à ce que je reprenne... Voilà, quitte à ce que je reprenne ensuite une petite navette. Histoire de... Ah mais attendez, puisque je suis là, est-ce qu'il y a des marchands? Je voudrais me débarrasser de mes merdes. Toi? Non. Toi, oui. Tu es un marchand. Décrivez vos symptômes. Je te vends ma merde. Répare-moi tout. Vas-y, je vais te vendre ça. Je vais te vendre ça. Ça. Ça, 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 je peux pas le vendre. Ça, ça, ah c'était niveau 92, bon, on s'en fout. Voilà. Je vais vendre ça aussi, tiens. Ça, je peux pas. Ça. Je peux pas. Je vais pas le faire. Voilà. J'ai un petit peu vidé mon stuff. Alors, est-ce que je peux fast travel? Apparemment, faut aller par là. C'est ça, hein? C'est ça que le jeu me dit, faut aller par... Bah non, le jeu dit qu'il faut aller par là. Et mon cul? Attendez. Le jeu dit... Je dis d'aller par là. Bon, allons par là. Allons-y. Hommage à Doctor David Tennant, 10e Docteur. Évidemment. Les moments. Hop. Évidemment. Ah.
très grand moment de jeu. Faut ensuite aller par là. Bah allons-y. Bah allons-y, mais en mode swag. Bah allons-y, mais en mode swag. Le swag avant tout, vous le savez. Vous le savez, dans ce jeu, c'est le swag avant tout. C'est important. Waouh, c'est bon. Je suis passé. On va par où? J'ai tellement mal aux yeux. Tellement mal aux yeux, au crâne, au cerveau. J'ai mon cerveau en ébullition. Tralala. C'est terrible. C'est compliqué d'esquiver tous ces monstres. Bon, restons sur ce chemin. Ah, je vais y arriver. Ah, j'ai tellement envie d'y arriver. Oui, on y est presque. On y est presque, mes amis. On l'a dans le cul. Non, c'est pas par là. On va... Par où on va? C'est quoi ma vie, maintenant? Bon, allez, un peu de fight, parce que sinon, on va s'emmerder, là. Voilà, c'est ça qu'on veut. On veut du fight. Attendez, je recommençais, c'était pas clair. On n'a pas été clair, vous et moi, je recommence ça. Tiens, prends un coup de sabre. Bah, d'accord. Mais évidemment, mon acolyte, le loup, s'est automatiquement téléporté sur site. Mais il m'a pas pris avec lui parce que c'est une raclure. On a dû faire un petit détour. Ah, la musique. La musique nous ambiance. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. Il est 19h53 et on est en train de jouer à Star Wars The Old Republic. Pourquoi prendre un tel risque, Seigneur Feral, sans risque, point de gloire. Le seul moyen d'éviter les risques, c'est d'éviter la guerre. Et avouer que ce serait ni efficace c'est pas ni faux. Non, j'imagine que non. Ah, Jedi, vous revoilà. Le général Vox et moi discutions stratégie. Notre maison n'avait pas connu telle gloire depuis ses débuts, alors qu'elle forgeait une alliance avec la maison Pantine. Merci, Jedi. Hein? Vous improvisez les noms de maison? Ou pas? Attendez, je me suis coincé avec mon câble. C'était votre plan. Je n'ai fait que l'exécuter. Mais nous n'y serions jamais arrivés sans vous. Lou Organa et ma fille Fasha font en ce moment même connaissance. Ma fille quoi? Sacha? La maison Terral, à l'unanimité, vous êtes officiellement notre nouvelle représentante. Youhou! Je dois maintenant me rendre au sommet pour m'entretenir avec Maître Sidonie. Allons-y! Les mots que notre dernier représentant devait utiliser. Mais je n'y comprends rien. Il s'agit de coordonnées et d'une clé d'intrusion. J'imagine qu'il faut se rendre aux coordonnées indiquées et utiliser cette clé d'une façon ou d'une autre. 142 de QI, c'est pas mal. Veuillez m'excuser, je dois me rendre immédiatement au sommet. Un instant, Jedi, si je puis me permettre. J'ai une autre faveur à vous demander. La maison Terral ne connaîtra jamais la paix tant que la maison Ulgo existera. Et en votre qualité de Jedi, vous pouviez convaincre le sommet de déposséder la maison Ulgo, de veiller à ce qu'il n'ait plus accès au pouvoir, nous vous serions reconnaissants. Ouais, mais Ulgo, il délire. Je ne ferai rien. Fallait la faire. Je vous en prie, Jedi. Dans le best-of. La maison Terral est désormais en sécurité, mais justice doit être faite. Bonne chance pour le sommet. J'espère que vous trouverez Maître Sidonie en bonne santé et que tout ira bien. Mais oui, tout va bien se passer. Allons-y! Il faut qu'on se rende aux coordonnées là. Donc pour ça, on doit aller à l'avant-poste. C'est-à-dire par là. Donc on doit aller à l'avant-poste. Pour aller à l'avant-poste, on a le fast travel.
c'est con qu'on puisse pas zoomer. On est où au fait? T'as l'air d'être ça. Pardon. Vous avez été troublé, moi aussi. Toujours, hein, les liaisons dangereuses, hein, ça fait partie, on va dire, du... Ah ! Eh bien, c'est parti ! Et c'est parti ! C'est intéressant de ponctuer ces moments de voyage avec cette petite musique Uncatchable d'Alexander Zelanoff. Allez évidemment sur internet écouter ce compositeur, il le mérite. D'accord, j'ai fait ça pour rien. Alors le jeu me dit que c'est par là. Allons-y en mode swag. Swagons tout ça. Aïe, je vais me prendre un mur. De quoi? Bah c'est une forteresse. C'est notre forteresse à la con là. Ouais, c'est vrai que j'ai pas le... Ouais, c'est pas... Bah, ça a l'air de dire que c'est par là, mais c'est... par là, c'est la forteresse à la mort de moins de 2. Qu'est-ce que vous me dites là? Que nous dit la map? La map nous dit que on est dessus, hein, quasi. À mon avis, je pense qu'il faut juste contourner cette saloperie de colline. Ah, ça y est, c'est là. J'ai trouvé. Plus de map, plus, c'est bon. J'ai trouvé. Allons au sommet. C'est là, il faut appuyer là. Go sommet.
Eh ben, on y est. On y est, mes petits amis. J'espère qu'on y est. Oui, on y est. Et maintenant, on va aller rencontrer, évidemment, notre Némésis. J'ai déjà oublié son nom, Sidonie. Pourquoi je dis Némésis ? C'est pas vraiment la Némésis dans l'histoire. C'est une tierce personne aux multiples talents. Trouvez Maître Sidonie. Ah, c'est une litige, ça. Ça, c'est une zone litigieuse. La permission de Maître Sidonie. Ah non, ce n'est pas une zone litigieuse, c'est juste un mur d'énergie, un bouclier, une barrière. Allons-y! On y va avec la Schtroumpfette, Taran et la chaudasse magique, bien évidemment. Car quand il y a Taran, il y a la chaudasse magique. Alors je l'appelle Taran et la chaudasse magique, c'est évidemment la référence à Taram et le chaudron magique. Mais je préfère l'appeler la chaudasse. Parce que c'est une chaudasse de toute façon. Bonjour. Voilà. Bah voilà. Vous en avez la preuve irréfutable devant les yeux. La maison Hald complote contre la maison Organa depuis des années. En abusant de sa confiance. La maison Tulle est à l'origine de l'assassinat de l'héritier des Pantyr. Et la maison Ulgo n'est qu'un pantin de la maison Rest. Mensonge ! Mensonge ! Nous avons des enregistrements, des documents. Vous ne pouvez pas contester de telles preuves. J'avais confiance en vous. Comment osez-vous ? Vous aurez affaire à nos troupes. J'ai mal au crâne avec vos conneries. Voilà la politique, ça me casse les biens. Il existe une alternative à la guerre. Nous calmer ? Voilà 20 ans qu'on enquêtait sur le meurtre de mon frère. Et vous voulez que je reste assise face à son meurtrier, comme si de rien n'était ? Silence, Jedi. J'agis pour le bien de la galaxie. Ah bon, t'es sûr ? Maître Sidonie, vous souffrez d'un mal qui altère votre jugement. J'ai vaincu ma maladie. Je l'ai surmontée par la sagesse. Je réfléchis comme je l'ai toujours fait, en termes de stratégie, de variables et de résultats. J'ai effectué des projections. Et pour assurer la paix dans la galaxie, la guerre doit éclater sur Alderaan. Rien. C'est un long moment, hein. Alors si le contenu vous plaît, évidemment, n'hésitez pas à follow la chaîne. Vous pourrez vous abonner, pour tenir plus d'emotes, etc., etc. Je suis bien évidemment. Mais je ne le permettrai pas. C'est des longs moments comme ça de dialogue. Il faut profiter pour appeler, on va dire, à agir. La maison Rist soit plus que d'une telle remarque. Agissez maintenant. C'était il y a 30 ans. Nous avions une alliance. La maison Organa en a assez entendu. Il est évident qu'il ne peut y avoir d'autre issue que la guerre. Mais mon cul. Maître Sidonie vous manipule. Elle ne souhaite que votre destruction. Cet enfant n'est rien de plus qu'un padawan. Ignorez-la. Maître Sidonie est la seule à dire la vérité à ce sommet. N'insultez pas son intégrité. C'est ça. Défendez-la, Organa. Vous avez toujours fricoté avec la République. Au moins, ils n'ont pas assassiné le héritier du trône. On n'a assassiné personne. C'était les Rist. Oui, les Rist ont placé cet usurpateur sur le trône. Mais l'ordre d'assassinat venait de vous. Usurpateur ? Notre souveraineté est aussi légitime qu'une autre. Ah, mais je comprends rien. Comment pourriez-vous vous juger les uns les autres alors que vous êtes coupables des mêmes crimes ? Facile à dire pour vous, Jedi. Vous n'avez aucun intérêt à défendre ici. Les accusations remontent à 30 ans. Autant d'années de traîtrise et de trahison. Non mais si j'avais su que j'assistais à un débat présidentiel, j'aurais joué à autre chose. Là. Et 30 de plus si vous entrez en guerre. Vous ne voulez donc rien laisser de mieux à vos enfants. Le Jedi a raison. Pourquoi vous obstinez ainsi? Tout ceci n'apportera que mort et destruction. Non, Alderaan ne doit sombrer dans la guerre. Les ténèbres approchent et je dois les arrêter. Maître Sidonie. Écoutez-la, elle veut la guerre. Bah alors. Revenez vers la lumière. Jedi. Reviens dans la lumière. Je réduirai au silence moi-même. Les ténèbres approchent, Jedi. La guerre doit ravager Alderaan pendant 50 ans.
Oh merde. Si on repoussait les ténèbres. 50 ans, c'est bon. Quand tu ne seras plus là, je réussirai à les convaincre. Mais ouais, c'est ça. Quoi, est-ce qu'elle peut voler maintenant? Vaincons, maître. Ah mais d'accord, tu balances des cailloux aussi. Tiens, moi aussi je te balance un caillou, regarde. Paf! Un caillou! Paf! Moult cailloux! Peut-être pas m'approcher aussi près. Surtout que l'autre con ne soigne plus. Oh un caillou! Prends un caillou! Tiens, je vais t'écraser mentalement. Putain, voilà, si ça a marché. Allez, voilà, vache! Et moi j'en balance qu'un à la fois et elle en balance 250. Attendez, on a fusionné ensemble dans ce combat. Ce pathétique combat. Tiens! Aïe! Tiens!